Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que Cristiano Ronaldo a été enterré vivant. Et qu'est-ce qu'il a fait, mesdames et messieurs? Il a ouvert lui-même son cercueil. Il a creusé à l'envers et il est sorti à la surface pour nous montrer que lui n'était pas fini. Voilà, Cristiano Ronaldo, ça doit faire au moins plus de 4 matchs qu'il n'arrête pas de marquer. Des buts de la tête, des penalties. Il est tout simplement inarrêtable. Il a reçu une aide considérable. Sadio Mané, Seko Fofana qui viennent apporter de la qualité incroyable à cette équipe d'Al Nassr. Dans tous les cas, on peut dire tout ce qu'on veut, mais Cristiano Ronaldo, mesdames et messieurs, n'est pas terminé. Il est sorti lui-même de sous terre, il revient, pas en mode zombie, non, en mode joueur de foot de qualité absolument monumentale. Voilà, donc Cristiano Ronaldo, ils ont voulu l'enterrer très rapidement, mais regardez, il en est à plus de 840 buts. Hein? Qui va pouvoir le rattraper? Combien de buts, juste de la tête, a-t-il mis dans sa carrière? Combien de coups francs? Combien de buts du pied droit? Combien de buts du pied gauche? Combien de buts du genou et du torse il a réussi à marquer avec toutes les parties de son corps? Là où c'est possible, tu comprends? Non, nous on n'est pas là pour tricher à mettre des mains comme les Maradona. Non, pas du tout. Là, tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir faire des excuses, hein, à Cristiano Ronaldo de manière internationale. Parce que là, on a vu des gens qui sont assis sur des canapés, qui n'ont aucun talent footballistique, venir critiquer Cristiano Ronaldo en disant que voilà, il est parti là-bas dans un championnat faible et il n'y arrive pas. Non! Vous pensez qu'il est comme l'autre petit là? L'autre petit, hein? C'est lui qui décide les règles de comment il joue. Tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire? T'as pas compris. Ça veut dire que l'arbitre, il n'a pas sifflé, mais s'il dit à l'arbitre siffle, et l'arbitre il siffle. Mais si on lui donne des coups francs, il dit, bon, le ballon, il est mal placé, il va avancer encore de 7 mètres. Est-ce que ça, c'est normal? Hein? C'est normal ou pas? Voilà, donc moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que là, Cristiano Ronaldo est toujours d'actualité, est toujours dans les tabloïds. Voilà, donc on est content de voir qu'il a su ouvrir lui-même son cercueil, sortir et crier sur les autres en disant, hé, oh, moi aussi, je suis là, hein. Je continue à marquer, hein. J'en suis plus de 840 buts, donc commencez pas à vouloir m'enterrer et à faire les prières, je sais pas quoi. Je suis toujours aussi dangereux. Eh oui, tu crois quoi? Sadio Mané est là-bas et tous les deux, ils n'arrêtent pas de faire le « si ». Mais oui, parce que chaque minute, il y a des buts. Tu comprends pas? Nous, la nuit, on dort. Mais eux, la nuit, ils marquent des buts. Dans tous les cas, en plus, c'est magnifique. Vous avez vu? Il a marqué et ensuite il a fait le signe de Jésus-Christ en Arabie Saoudite. Hein? Il est venu, il a fait... Au nom du Père, du Fils, du Père... Il a fait tout ça et personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Tout... Qui l'a sifflé tout le monde? Voilà. Dans tous les cas, tous ceux qui ne connaissent pas, ils disent « Oh, regardez, il a fait le signe de la croix, oh, ah, truc de ouf !» Mais chez les musulmans, on croit en Jésus, hein. Calmez-vous.